parce que ça n'est même pas une année au bal avec tu kokufa tant on se le bat à confiter na ba 13 heures sans monsieur panzani qui a confité à sécu c'est que aux autres appuyer hypothèse on a qu'à confiter à sécu na ouais ça les religieux ce sont des escrocs professionnels ils n'ont pas honte ils n'ont pas pitié des gens ils ne sympathisent pas avec les gens. Ils sont contents quand tu le vois pauvre. Salutations na bino nyonso bana mboka, bozali branché connecté na émission Bolinga Kamingi espace dialogue. Bisika nini connaissance pe na réflexion ezali kokutana. Merci na ba attention bozali toujours copé sa biso. Merci à l'équipe Mumba Technique, ici Mabina Ndeko Jean-Marie Poupa, et puis merci à la coordinatrice sur le site Oyo, Francine Ngembe Wazana Mbokaya, Belgique. Merci Mingi, na Ndenge Bopesi Biso Batana Biso. Boye bi lisusu to yaka na ba petit écran, toujours pour nous conformer, pour informer, pe bino lisusu na makamozeli koleka. Na etando ya biso ya RDC, na awa na Afrique du Sud, pourquoi pas etando nyo sur Mokili Mobimba. Grand merci na ba nyonso bozana niveau ya Bukavu kuna na kanisi ndeko na ngai télécommunicateur Edi Kapend. Merci pona musala mala mozali ko sala pe coup de chapeau na bino nyonso bana mboka bozana niveau ya est o bozali ko landa ba émission na biso tolandi ba coup de fil na bino pe ba commentaire toza toujours ensemble pona koloba o Italy bo solo pe bolamu de façon que mboka na biso RDC et zala mboka we sengeli to benga vraiment république démocratique yambo ya biso to kene mosika bukombo yebi bolani na ba réseaux sociaux que mboka RDC uti kokufela o tozali ko benga moko ya ba pionnier évangile liboso zala ki mobali na ye na kombo ya papa Olangi Joseph atika ki biso ane passé na mokolo ya le 1er octobre 2017. Je crois quelques mois plus tard, lelo oyo tozali kolela liwa ya mwasi na yeto bengi na mama Olangi Wosho, ou azali fondatrice ya CIFMC, hein, ministère ya combat spirituel. Vraiment tolingi yo présenter ba condoléances na libota mobimba biologique et pe libota ozala ki spirituel bisika nini mama Olangi bandai ko kamba. Ce qui le cambo salami na mboka ya Congo. To lela ka après to se pelito to gangi to se plaindre mais lité sengeto mituna. Les sonini tokoki kozwa na sima ya liwa to après liwa to avant liwa misala nini et salamaki o ezalaki bénéficiaire ma lamu mingi o bato basungamaki na yango na eloko euti ko salama na kolingana réfléchir ngai mokote kombo yebi toujours ce qui nouvelle ezali tozalaka toujours honoré puis vraiment flatté puis privilégié malgré ba occupation na yemwa mingi alinga toujours ko pesa biso tanaye na mwana mboko te bengi président national congolais na son excellence monsieur président Kilele Otoliko Yamba lelo tous réfléchir ensemble après ko pesa sango ya condoléances pe ko lobela sur mama Olangi nalinga ki pe ko yamba président na biso Kilele apesa biso pe makanisi na ina implication ya France wana tomoni Emmanuel Macron tomoni implication ya Luanda na Angola tomoni implication pe ya Burundi bango plutôt ya Kigali bango balingi bazala médiateur ya élection o ezali ko salama ce qui est ko salama réellement pour na komema kimia pe transition toko ka pe makanisi ko uta na président Kilele tika bisoto ya mbaye na tango oyo boye malamu président merci mbote mbote nayo mbote daba téléspectateurs nyoso ya Congo o bazali na kati ya mboka pe o bazali na bipayi na mboka mipaya mbote nyoso merci beaucoup président pour Nathan nayo vraiment suis votre respect merci pour Nathan Tebi que vous allez au four au moulin na ba occupation ça la barre toujours pour na komema un plus na mboka oyo pe na etando mobimba merci pour la disponibilité na yo sango et simba mina etando ya RDC ko banda lobi na butu le lo jour mobimba akufi a sekwi akufi a sekwi tango akufaki na lobi na tango ya papa Joseph Olangi to ya ki pe na plateau oyo malgré l'occupation, les gens sont acculés dans les mots et belés. Bolo, comment vous avez dit que 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 très bien. Merci Mingi. Je présente aussi mes condoléances à sa famille biologique. Un peu, n'a pas fanatique na enyoso,
pena bato ya église oyo atiki oui de fanatique aveugle quoi hein? Oh, atiki je présente mes condoléances patriotiques et sincères. Je ne pense pas que Akufi parce que l'enseignement oyo église naye tout comme église mususu et pesa kana bato zeraka ken. Si vous croyez en Jésus-Christ, vous avez ou vous aurez la vie éternelle. Vie éternelle, ça signifie okokufa dans notre tempé, okokufa na esprit, okozakaka éternel. Donc, je pense que il y a kufite, azo la kaka. Kufite ndeni kwa sababu. Kufite, il y a azana secret, il y a vie éternelle, il y a kukene na lola. Alors, kufite. Boku na été pardon, azali dans wana. Akola muka. Peut-être azo sa biloko e balé mbonga zé ko sala à l'époque peut-être mais akufi na noté parce que son église détient les secrets de l'éternité. Oyo yebisaka bato keno il faut bozala ba bola et puis bozela beaucoup se réjouir dans le ciel et pas y en kolonzambe. Donc akufi na été. Azo la raka. Président, tant que vous avez profité, parce que dans 23h, il y a lobby, sans que vous avez profité, même à ta bande, il y a des gens qui ont profité. Jusqu'à ce que la famille qui porte parole, il y a une crise, il y a une crise cardiaque, et le bas, il y a un choc qui est lié à la mobilité. Parce que ça n'est même pas une année, mobile a été kufa. Tant que vous avez profité, dans 13h, sans que vous avez profité, c'est que vous avez appuyé l'hypothèse, vous avez profité, c'est que vous avez profité. Il y a kufa ndenge nini. Aza mutute, président. Non. Il y a asolo la kana nzambe. Il a le secret divin. Asolo la kana nzambe, azali, bosali ya nzambe, mpe azali Dieu ou déesse incarné. Or, qui est kufa te? Azali. Ba Satan na biso ba sumuki nde tozali ba candidat à la mort bandimi ba kufa kate donc yepe a kufite elle est là, elle a rejoint son mari et ben ils sont quelque part ba kufite, ils sont en train de tromper les gens, tu vois, c'est tout ce que je peux dire. Ma téléspectateur, maman Francine Ngembe, ezo lekela nga pende na vandia na plateau, président Kilele, le professeur Alobike, maman Olangi akufi na ete, azali a rejoint le mobali na, mais bakunda ki mobali na samedi ni vwa Kinshasa. Bakunda te, akolungwa, akoseko na butu. Bokumona ya zotambula, parce que il croit en Jésus-Christ. Il croit au Dieu d'Israël. Eza biso ba Afrikende, toza bandoki biso, ceux qui couffent, ils couffent réellement. Mais quand tu crois en Jésus-Christ, tu ne peux pas mourir. Hein? Tu dois rester là-bas, à côté de lui. Les anges vont t'accueillir. Net y est déjà, bah, ange va s'accueillir. Azan est bien. Donc, bah, tu vas regretter lui en a été parce que y est Azan déjà à gauche ou à droite de Dieu le Père ou de Dieu son mari, parce que son mari aussi était un autre Dieu. Hein? Donc, il a profité. Ayo qui passe était. Comment il y a aucun coup de arrêt cardiaque pour que Yesu a sauvé été? Il a fallu quand même que ce Dieu et ce Jésus qu'il prie a sauvé. Mais voilà que Jésus-Christ Dieu vient de le manger. Hein? Jésus-Christ l'a mangé et a mangé son mari. Alors, ma prière au Bongo Basaraka, Ezaganin, il y a que ne kosambela, motoa kolia yo. Trouba ngo kalake, osambela, osambela te, au coup faraka. Donc ça ne sert à rien. Bango, il faut prier pour avoir la vie éternelle. Preuve, il y a nullité à ma prière, il y a ngwana. Osambeli, 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 suka, suka. Na yo, na mopakani, na ndoki. Na biso toke n'église te. Soro kake zaka moko. Zaka kokufu. Zaka liwa. C'est un passage obligé. Mais quand on est en vie, on se croit éternel. Ce n'est pas différent d'un dictateur politique. Au fait, les religieux, ce sont des dictateurs politiques. Ce n'est pas différent de Hitler, ce n'est pas différent de Kagame, qui croient détenir le secret de l'éternité et vivre pour de bon, qui
il n'y aura jamais eu un mécanisme de remplacement de Kagame. Et quand ils se mettent à prêcher devant les gens, à donner des promesses aux gens, c'est comme si eux détiennent le secret de l'éternité. Mais parce que la mort est là, ça simplifie l'orgueil de l'être humain. C'est fini, et on n'en parlera plus en fait. Hein? J'ai introduit ça d'une manière ironique, mais c'est juste pour vous dire que c'est fini. Hein? Et je pense qu'après lui, après elle et son mari, l'église va être panzana. Et puis Tolingi est panzana. Tolingi est panzana parce que c'est une église de malédiction, une église de mensonges, d'escroquerie, une église qui a fait trop de mal au peuple congolais surtout. Donc, souhait Nabiso, Pena Yangai, c'est-à-dire que l'église naïe est disparaître complètement. Je demande aux Congolais d'aller brûler les succursales de son église partout où ça y est. Brûler cette église, tabasser les membres de cette église, partout, balider on a basali, pour bête bango mabanga. Ce sont des voleurs, des menteurs qui ont dévié beaucoup de gens. Voilà. Président Kilele, je m'excuse, dans les téléspectateurs, Bozolanda Bissot, nous réfléchissons, nous parlons, et le président Kilele a donné sa message, réaction par rapport à l'Iwaya Mama Olangi. Président Kilele, nous avons toujours une réaction à l'Iwaya Mama Olangi à Koufaki, nous avons accusé Kyo en tant qu'un inhumain. You don't have a sense of human being. Vous avez un sens à votre tête, vous avez un sens à votre tête, vous ok? Yambona, vous avez déjà un message apparemment, vous avez un combattant spirituel. Donc, vous avez brûlé Belgise, vous avez un peu. Mais dimanche, ce total aspect positif, il y a apport au Mama Olangi, la personne de Mama Olangi ainsi que sa fondation, c'est quand même à louer. Parce que nous sommes tels réseaux sociaux, les gens apprécient Moussa Lassali, extendre l'évangile par message au travers le monde. Il y a au moins plus de 150 églises au travers le monde. Tu vas pas me voir belé, puis même quand même message au tobing, un message à combat spirituel. Mais comment ça s'est engagé tu vas qui nous tombe sur l'église ou à nous mettre ça trop dur na message na. Nous allons dans sens humain parce que je suis en train de défendre les intérêts de l'humanité. Yé na mobali na yé na ba église mususu bango ne bazana na sens humain te parce que ils se sont engagés dans un combat d'escroquerie. Ça signifie qu'ils n'ont pas pitié d'appauvrir quelqu'un. Ils se sont engagés dans un combat ya ko pousser bato ba commettre suicide avec des jeunes de trentaines de centaines de jours. Ce sont eux qui manquent le sentiment humain. Parce qu'ils n'ont pas pitié, ils n'ont pas honte. Bako mi mayo makila, ba yebi ke yo za motore te bango. Bako botola lo meyo za nango na kati ya poche, na yepo za na kati ya banki, opesi bango, sans pitié. Un peu bayebi ke mbongo wana, ezali mbongo ya yo na fami na yo, mais à travers des enseignements erronés, mélangés de sorcellerie, bako longo la biloko mbongo za nango, na ba kado, na ba voiture, donc, ce sont eux qui n'ont pas un sens humain. Moi, je suis humaniste, je suis défendeur des intérêts humains. Les religieux ne défendent pas les gens. Ils ont l'agenda de scroquer et d'appauvrir les gens, de dévier les gens et de décourager la conscience des gens. Bon. Au lobby que Asali Moussala Bila Nayez allait positif, qui a fongoli plus de 150 succursales au monde, il y a l'église. Vous pensez que c'est ce qui est nécessaire pour l'humanité? Aller prêcher un faux message, ce n'est pas ce qui est nécessaire pour l'humanité. L'humanité a besoin de la vie matérielle. Bien s'habiller, bien manger, bien boire, avoir une bonne accommodation, donc un bon logement, avoir une voiture, être capable de se payer ses soins médicaux ou de rester dans un pays où l'État couvre
la couverture médicale de sa population. C'est ce que nous voulons. Donc, s'il devait y avoir un bilan positif de ce couple, il devait laisser à l'humanité des écoles, parce qu'ils se sont amassés assez d'argent à travers le monde. Ils devaient construire l'université au Langui, quel que soit au Kassai, que ce soit au Kassai, en Afrique du Sud, en France, etc. Ça bénéficierait à l'humanité. Ils devaient cultiver des champs, et faire de grandes fermes mécanisées, ou créer l'élevage, où il y aura la laiterie pour nourrir les gens, ou investir dans la pêcherie, ou construire un tronçon de route. Voilà ce qui bénéficie à la population. Mais créer des branches d'escroquerie où ses représentants récoltent les gens auprès des croyants naïfs et puis bâtir à Kanakonte Naïe, vous voyez que ce 150 ou ce 1500 succursales n'ont profité qu'à cette famille et non pas à l'humanité et non pas plus particulièrement à la population congolaise. Donc leur œuvre n'a été qu'un fiasco. C'est une œuvre d'escroquerie, je répète ces mots et je ne cesserai pas de répéter, c'est une œuvre d'escroquerie et ils ont continué cette œuvre sans vergogne, sans honte, parce que ce sont des escrocs professionnels. Vous voyez ça? Les religieux, ce sont des escrocs professionnels. Ils n'ont pas honte, ils n'ont pas pitié des gens, ils ne sympathisent pas avec les gens. Ils sont contents quand ils nous voient pauvres. Donc, le couple n'a pas contribué au développement matériel. Nous n'avons pas besoin de développement spirituel. Hein? Je l'ai dit plusieurs fois, on ne se réjouit pas dans le néant. On se réjouit dans la flèche. Ce n'est pas dans les fantasmes que non, n'a qu'aucun nalola, n'a qu'aucun naïe, Yesu, c'est Yesu, vous allez partir. Bon, si vous voulez aller chez Yesu ou chez Lola, mais commettez un suicide et cessez de prêcher ou de prier au lieu qu'un Lola. Commettez un suicide, hein? Et laissez les gens libres au lieu de promettre aux gens que nous beaucoup kende, beaucoup t'en a Yesu. Non, ça, ce sont des mensonges, ce sont des promesses fallacieuses. Et alors, c'est un couple de menteurs. Et je me demande les gens qui disaient qu'il faut pas construire les mausolées, mausolées à Nini, à Salinini. Bon, les mausolées de mensonges. Hein? Regardez ce que l'anthropologie et l'histoire nous apprend en Égypte. Le pharaon qu'on a crédité de dictature ont laissé des monuments historiques que les gens continuent à étudier aujourd'hui. Nous connaissons qu'est-ce qu'il y a dedans, à part les corps des pharaons. Nous connaissons pourquoi ces pyramides sont là. Voilà, ils ont laissé quelque chose qui aide l'humanité dans le sens scientifique. Ceux-là qui sont morts, qui nous ont construit des ponts, des ingénieurs qui nous ont construit des ponts, jetaient les ponts sur de grands fleuves, de grandes rivières. Il y a un jour, j'avais pris un bus de New York pour rejoindre, de Washington pour rejoindre New York, en passant par je pense, l'état de Jackson. On a traversé les ponts Mississippi. Mais il faut voir. Et vous vous demandez, ce sont des êtres humains qui ont jeté un pont sur un si grand fleuve comme ça? Les ingénieurs qui ont jeté ce pont sur ce fleuve, mais ils sont morts. Mais ils ont laissé quelque chose qui profite à l'humanité. Pas le mensonge. Pas le mensonge. La Bible, c'est un mensonge. Un message poussiéré, nuisible à l'intelligence humaine. Le noir que nous sommes, nous voulons un éveil de conscience pour que nous puissions nous atteler à notre développement. On ne peut pas se développer si le mental est corrompu ou le mental est affaibli par le mensonge de frustration. Parce que la Bible nous apporte, nous intimide à tout moment. Soko la moki foko sambela webi batumboni bazana hopital ebi batumboni makufi za pema ya Yesu pema ya Zambia ango la moki alo il faut glorifier, il faut louer Yesu. Moi j'avais demandé à Dieu de me créer
Si c'est Dieu qui m'a créé, il est obligé de s'occuper de moi. Je ne peux pas lui demander. Il est obligé, c'est lui qui m'a amené. Si c'est lui qui m'a amené sur cette terre, c'est son obligation. Je ne dois rien à Dieu. Hein? C'est comme toi, tu achètes la voiture ou tu construis la voiture et tu demandes à la voiture de te louer. Mais c'est toi qui as construit la voiture. Ouais. Comment ça? Tu dois en être responsable pour laver en haut, entretien la voiture, c'est toi qui dois faire ça. Président, merci beaucoup. Sur ce, je crois qu'on répond à la question anticipée parce que nous avons tout na leçon nini et ce que nous avons reproché dans le ministère ya combat spirituel. Je crois qu'on a énuméré en mami. Ils ont détruit les foyers. Ils ont détruit les foyers. Ils ont envoyé beaucoup de gens à la mort. Ce sont eux qui ont créé le phénomène des chege, des enfants de la rue. Que moi, na, soki nga nga nazali, moi si nga kenda, nazui moi si mususu, moi si wana komi mbanda, moi si wakenda. Ces gens qui vont dans ce ministère, on leur dit, kolinga bana yambandate. Et les hommes naïfs, parmi nous, nombreux sont naïfs, à cause du sexe de la femme, nous sommes faibles, moi si mi balo ya kozo akwe, pse non. Moi, je suis un homme. Il faut que tu me gagnes. Et toi, le père, tu crois à de telles balivernes émanant de ta femme. Ou bien, moi, je suis un boti. On déplore le phénomène au Kuluna, de banditisme. Pourquoi? Ce sont des enfants qui ont grandi, qui ont été jetés dans la rue à cause des enseignements nuisible de l'église, ce n'est pas du combat spirituel. Bon, combat est ici la catégorie. Le diable qu'on combat tous les jours, c'est quel combat qui est éternel et perpétuel? Quand nous les êtres humains nous engageons dans une guerre, il y a toujours un gagnant et il y a toujours un perdant. Et la guerre se termine là-bas. Vous voyez ça? Bon, au combat, il y a diable. On se bat contre le diable tous les jours. À quoi servent maintenant toutes ces prières, toutes ces incantations? Alors que Jésus, enfin, Satan, a koufakate. Moi, j'ai voulu que les prières agissent comme des missiles. Ça touche la cible et la cible est koufi. Mais comment est-ce que ça? N'est-ce pas tout à Bima? Bima! Bima! N'a pas combien Jésus? Bima! Mais si ça signifie que c'est un combat vain, hein? Ce sont des efforts vains, ça n'aboutit pas. Il faut que le combat aille tout droit au but et qu'il y ait une victoire remportée. Mais tous les jours vous chassez le diable, ça signifie que c'est le diable qui est plus puissant et que Dieu n'a pas la force devant le diable. Et alors il faut louer le diable parce que c'est lui le maître. Ba pasteur, bandimi, nzambe, bango tout, bazo banga diable. Ça signifie que c'est lui qui est le plus puissant et qu'on ne nous dise pas le contraire. Hein? Parce que ba prière, ba danse, ba veiller, ba jeûne, kaka contre mutumoko kaka. Et puis vous êtes incapable, il y a des gens qui sont en prison. Vous tous, vous priez pourquoi? Ce sont des efforts vains. Bon, c'est un rituel d'enfantillage. Ce sont des enfants. C'est comme aussi une mère qui chantait des mélopées pour un enfant. Alléluia, alléluia, à la moki, alléluia, à Yemeli Nzembo, à l'Ali. On répète la même chose. Oui. Voilà, merci beaucoup, monsieur le président. C'est une monotonie ennuyeuse. Et je demande aux Congolais de quitter Botika comme l'église. Nous avons un projet développemental. Nous sommes restés au bas de la pauvreté partout à travers le monde. Et essayez de bouger un peu votre conscience depuis Tobana la Biloko et la religion. Et Kumbabiswapi.
président qu'il est. Il n'y a pas de résultat positif. Il n'y a pas de résultat positif. Vous êtes pour, vous êtes contre. Bon, comme la biso, je suis Bolois, Facebook, numéros dans la petite écran. Toujours réfléchir, liwa ya mama olangi wo choua ou tikotika biso, hein, oyo. À Salimo Salamingi, à niveau RDC, la crise cardiaque n'est pas ébomillé. Quelques mois plus tard, après, même deux jours, même avant, après, plutôt deux jours après, à Terma, Yamobali Naye, le défunt Joseph Olangi. Président, téléspectateur, moi, Landa Kinga, Landa Kabi Mission Abisso, interview Abisso Mibale, Sogina Yambio, Abama, maintenant, le président, il aura toujours, il dira qu'il n'y a pas de moko et après, ça va piste de solution. Il y a ce qui est quoi. A Betty Massa, sinon, pas pasteur, pas église. Mais après, ça va être une piste de solution. Tout n'a pas de présence, ce qu'il y a un bel bisoyer. N'a qu'à ou aussi, quoi, piste de solution, quoi, quoi, ça. N'a pas de bazolanda biso. Parce que ça n'a pas chef religieux, pas misoussou, pas chef pasteur, pas évangéliste, pas prophète. Ou y'a sali déjà comme dans Mboka ya Congo. L'y'a ce que commis, pas de regretter. Après, l'y'a pas de baké, n'a pas de bon sani. Mais tu auras les santé. N'engou tu koloba. Il fallait peut-être même un peu de développement mental, physique, éducationnel. Alors, on peut passer à combo. Tant qu'on peut okufa. Est-ce que vous êtes préparé pour venir à Yamboka pour nous faire un peu de temps? Si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps plus dans Yamboka. Qu'on nous montre ce bilan-là. Qu'on nous montre ce bilan. On appelle ça comme solution. Peut-être qu'ils ne sont pas attentifs. Et quand je viens de demander aux Congolais balongo à l'église, c'est une solution que Nazo coupé ça pour pas la distraiter. C'est une solution parce que au fur et à mesure que aux ana quatre à église, tu te reproches de quelque chose aux okumio que la mawa, tu es distrait, tu développes des idées négatives aux ali quoi avantager, on n'a rien. Parce que quand on prie, on se reproche de quelque chose. J'ai dit ça plusieurs fois. La prière, pour moi, a deux sens. Vous priez pour demander quelque chose. Et dans le sens moderne, la prière, c'est toujours se reprocher de quelque chose. Quand vous allez demander à votre Dieu, Nzambe, Nzambe, Sali Sangai, Masumu Nangai, mais j'ai toujours dit, le noir n'a commis aucune faute. Le noir, c'est un peuple saint. Oui. Le noir, c'est un peuple saint à qui on ne doit pas apprendre toutes ces religions là-bas. Parce qu'aucune de ces religions n'est la nôtre. Ni l'islam, ni le christianisme, ni le bouddhisme. Et Zali a dissouté. Même si certains, aujourd'hui, historiquement, qu'on commence à fouiller les annales de l'histoire et représenter Jésus, que Jésus était noir. Bon, ce n'est pas très important. Nous gagnons quoi dans cette histoire? Nous ne gagnons rien dans cette histoire. Nous voulons donc que les gens soient focused, qu'ils mettent leur focus sur le développement matériel. Si l'Amérique s'attaque à d'autres pays, c'est parce que Alingi a exploité les richesses d'Abango. En exploitant les richesses, ce n'est pas les richesses spirituelles que l'Amérique va chercher en Irak, en Iran, en Syrie, et patati patata. Ce n'est pas la richesse spirituelle. L'Amérique cherche la richesse matérielle pour le bonheur matériel de sa population. C'est ce que l'Amérique cherche, c'est ce que la France cherche, juste pour biaiser dans une histoire qui ne pouvait pas être dans cette interview. La guerre est en Syrie. Pourquoi il y a la guerre en Syrie? Ce n'est pas parce qu'on dit que le président Bachar el-Assad est dictateur. Non. C'est parce que Bachar veut quitter la zone du dollar. Ouais, ça. Les Illuminati ont commencé avec Saddam Hussein. Quand Saddam Hussein avait décidé de ne plus vendre son pétrole à travers le dollar, qu'il fallait soutenir la monnaie arabe, le dinar, ben, il était devenu dictateur. Alors que
C'est un agent de la CIA qui était formé par la CIA. On l'a pendu comme un chien. Kadhafi, qui voulait donner l'indépendance monétaire aux Africains, il avait menacé de quitter le pétrodollar, de quitter la zone du dollar pour vendre son pétrole à travers les dinars arabes. Vous connaissez le résultat. Il a été massacré. Le président, l'ex-président, ben, il est toujours président pour moi, parce que c'est lui qui était le président élu. Le président Babo, Laurent Babo, de la Côte d'Ivoire, parce qu'il avait menacé de quitter le franc CFA. Eh bien, on est venu l'arrêter et il est emprisonné à la Cour pénale sans aucune condamnation. Il n'y a pas de charge contre lui. Il n'y a aucune charge retenue contre lui. Vous voyez ça? Aujourd'hui, c'est le même cas en Syrie, parce que les gens veulent quitter le carcan de dollars. L'Amérique sait très bien que si la plupart de ceux-là qui ont investi à la bourse d'échange avec leur pétrodollar, l'Irak, l'Iran, à l'instar du royaume corrompu d'Arabie Saoudite, si tous ces pays arabes-là retirent leur investissement, le dollar tombe. Et quand le dollar tombe, l'hégémonie américaine aussi tombe. Vous voyez ça? L'Amérique cherche à s'attaquer, par exemple, à la Russie, qui est une autre superpuissance. La Russie lui a prouvé que tu ne peux pas. Par contre, la Russie cherche ou a déjà créé une zone monétaire, économique, qu'ils appellent les BRICS. Brésil, Russie, l'Afrique du Sud, l'Inde, et je ne sais pas, le Canada, ou je ne sais pas quel. D'autres, ceux-là qui veulent se retirer. Et l'Amérique voit ça que, une fois que la plupart de tous ces pays quittent la zone dollar, ce ne sont pas seulement les armes. Le commerce mondial ne va plus s'effectuer par les dollars et mon économie sera par terre. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut aller massacrer le président de ces pays là-bas et du mettre quelqu'un de l'obédience américaine qui va supporter et qui va défendre les intérêts américains. Mais alors, vous voyez, quand l'Amérique vient défendre ses intérêts partout, l'Amérique ne défend pas les intérêts spirituels. La France non plus. Les pays occidentaux non plus. Ils défendent les intérêts matériels. Biloko ya kolia, minerais, toutes les richesses du monde qui font le bonheur des gens. Ce n'est pas le spirituel. Donc, la solution que moi je propose, ou les pistes de solution que je propose, il faut ba longwa na ba église. Vous savez, le jour où les Africains vont commencer à prendre ba Bible, na ba Coran, ba tumbi ango, amasse na moto boy pa, ou bien ba zui ango, ba ke na fleuve, na rivière, ba boaki ango, ba filmer, ba tindele, ba mindele. Mais il y a beaucoup de blancs qui vont piquer en 50 Bakoukou Fanet et Maman Olang. Parce que c'est leur arme de prédilection. La Bible qui est une arme de mensonge. Parce que la Bible, c'est l'incarnation de mensonge. Et c'est une arme terrible, plus que le missile. Parce que ça détruit le mental sans toucher ton corps. Ça te détruit. La plupart des religieux, ce sont des malades mentaux. C'est vrai. Tous, ce sont des malades mentaux. Parce que comment on peut croire et comprendre que quelqu'un les pasteurs vous disent il faut qu'on bange en Zambi. Mais comment on va banger quelqu'un qu'on n'a jamais vu? Comment tu vas avoir peur de quelqu'un que tu n'as jamais vu? Tu ne connais pas à quoi il ressemble. C'est de la folie, non? Mais on doit te dire non, il faut qu'on bange en Zambi. Bon, nous avons bangé Zakande Guinine. Alors, tu as un pantalon, alors tu as un limbanda. Il est comment se dire? Quand on crée quelque chose qu'on n'a jamais vu, la réponse est qu'on est fou. On est hanté par une peur qu'on ne peut pas expliquer. Et c'est de la folie. C'est de la folie. Donc, tous les religieux sont des détraqués mentaux. Ils sont déréglés mentalement. Président, je crois que nous aurons à avoir une petite pause.
Cher ami téléspectateur, vous êtes branché connecté à www.congodialogue. Avec moi, je suis Bolois. Ça, c'est l'émission Espace Dialogue, là la réflexion et la connaissance. À suivre, nous allons parler sur l'implication de la France, l'Angola, n'est-ce pas, Kigali, n'est-ce pas, pour la médiation aux élections venant, s'il y aura lieu, j'ai bien dit s'il y aura lieu, le 23 décembre de cette année 2018. Alors, Richard Branché, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Beaucoup, mais la bisou tozana, moi, Namboka, président Kilele Djemadari, Oyazope, sa paix réflexion, n'est-ce pas?